Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Saint-Michel, Thank you.
D'autres dans une forme
de folie, d'orgueil, ont voulu s'opposer, dire non au projet du Créateur. C'est ce dont parle le livre de l'Apocalypse qui fait écho au chapitre 3 de la Genèse. Le malin, le menteur, le manipulateur, le diviseur, Satan, qui est un ange déçu. La différence entre les anges et les hommes, c'est que les anges n'ont pas de corps, d'autres n'ont pas de sexe, ils ne se reproduisent pas. D'une certaine manière, et on parle de la raison, c'est là. Il faut bien mettre en œuvre. Il n'y a pas que la matière. Il faut pouvoir interagir. C'est cette forme de conscience qui en réalité, une simple conscience numérique, mais qui nous évoque l'âme de chacun d'entre nous. Une fois que vous avez votre sang, votre corps et votre âme, vous avez la grandeur de l'histoire de votre pays, et si vous donne des vies saintes, et si vous donne la parole du jour, vous avez aussi un certain nombre de signes nettement plus incertains, qui exploitent nos désirs et nos pulsions. Je n'ai pas besoin de faire la liste. Alors que si nous sommes habités par un esprit d'autonomie, de puissance personnelle, de division, de mensonge, la cohésion s'est faite. Thank you.
Décorez à mon commandement. Vous. À droite. Droite. En avant. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Michel. Depuis 1948, c'est notre fête, la fête des parachutistes, en France comme dans le monde entier. À cette occasion, nous mettons en avant le souvenir et la fraternité d'armes. Pour la France, ce fut souvent le cas dans la différence, comme au Liban, voire l'hostilité, parfois en Indochine, en Algérie, à Suez. Et tout ça en dépit de succès incontestables, comme à Bizerte, à Colvézi ou au Mali. Les paras ne choisissent pas leur mission, mais ils choisissent de remplir celle que leur donnent les autorités politiques de notre pays, et quel que soit le prix à payer. C'est cette abnégation faite de courage, d'audace, d'insolite, d'initiative qui fait la gloire des parachutistes, ces soldats de l'impossible, comme l'ont encore récemment montré nos deux camarades commandos marines tués au Burkina Faso. Parce que seule la convergence des efforts de tous vers un même objectif, tant dans l'ambition que dans l'action elle-même, garantit le succès, il faut savoir nous ressourcer en cultivant cet esprit de corps qui nous caractérise. Cela se traduit par la joie de nous retrouver, sans barrière, quels que soient nos grades, origines, statuts, car tous, du deuxième classe au général, nous avons passé la porte dans les mêmes conditions. Cet acte fondateur et volontaire a généré notre communauté de vie, d'esprit, d'intérêt, de dévouement. Aussi, aujourd'hui, faisons une pause, prenons le temps de nous écouter, de nous retrouver. N'oublions pas ceux qui sont isolés, frappés par le destin, touchés dans leur âme, leur corps ou leur dignité. Honorons ceux qui réussissent et qui agissent et qui doivent en conséquence se tourner vers ceux qui ont besoin d'aide. Dans la communauté parachutiste,
C'est l'intérêt général qui passe avant l'avantage et la gloire personnelle. C'est aussi la fierté et la joie de réussir ensemble, sans laisser les blessés derrière. C'est également la certitude qu'ensemble, on gagne là où seul on perd. Ressourçons-nous, renforçons-nous. Cette force que nous retrouvons entre nous aujourd'hui, elle doit être un moteur et une source d'espérance pour notre pays. Alors tous ensemble, nous pouvons dire, et par Saint-Michel, vive ! 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, vers son inclus, à preuve de vos sillons. Bravo. On prend la photo. Puis si vous pouvez amener vos cadets de France, c'est très bien. Comme un dernier hommage, et si ne pleure personne. Có 8-11 hài cốt của binh sĩ nhảy dù của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được đưa từ Việt Nam sang Hawaii cách đây hơn 30 năm. Và hiện nay cái số hài cốt đó đã được mang trở về một cái căn cứ quân sự ở miền Nam California và nếu như mà không có sự gì thay đổi thì vào ngày 26 tháng 10 năm 2019 tới đây thì sẽ có một buổi lễ vinh danh tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Lido Sài Gòn. 81 anh hùng liệt sĩ đã chết trong năm 64.